Bienvenue au Sénégal, monsieur Tal. Merci beaucoup. Le moment, en fait. Monsieur Tal. Monsieur Tal. Une signature, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yao. Tu viens d'où? Kanel, monsieur Tal. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul? Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, monsieur Tal. S'appelle comment ta ville déjà? Kanel, monsieur Tal. Je t'emmène. Dis-moi, patron, elle est où la terre de tes ancêtres? J'ai une idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, non, j'ai un avion demain soir, moi. Il est où? D'abord, on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi, je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se sait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se sait pas. Bon, allez, mets ta ceinture. Y'en a pas. Merde. Ta voiture est tombée en panne? Ouais. La vieille voiture est tombée en panne parce qu'elle était vieille et usée. Bah oui. Tu es vraiment naïf. C'est là que tout commence. Pourquoi t'es jamais venu au Sénégal? T'es pas d'ici, toi. Comment tu sais ça? Ça se voit tout de suite. Que le chemin des ancêtres continue à guider tes pas. Merci. C'est la terre de tes ancêtres, tu dois y aller. Pourquoi t'as fait ce voyage tout seul? Je suis qui pour un gamin comme toi? Papier du véhicule. File-lui un billet. Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es un blanc. Je suis blanc, moi. Yao. T'es pas blanc, t'es juste un bounty. Ah, on dit.